Out, so with attachment. So let's get started. Just I want to show you now first the first part. As you can see, for my attachment, first I have different line so that my segment is okay, and I want to finish. Premièrement, j'ai commencé par séparer donc en sections avec des aiguillettes d'élastique pour pouvoir ensuite crocheter les mèches. Je vous montre tout ça en image. Voilà, là il me restait que un quart de ma tête à faire. Voilà, j'attache et je vais commencer et j'ai presque fini du coup. Enfin, c'est quand même une grosse étape à faire tout seul, mais bon, voilà. Donc on trace la ligne, prenez bien quelque chose de pointu, bien tracé. Donc là, j'ai fait ma ligne. N'oubliez pas de t'abonner. J'ai mis la red one et il me reste que deux élastiques à faire. J'ai déjà tout séparé. Il est 9h30 et à 11h20, il faut que je sois partie pour le travail. Donc, je travaille de 13h30 à 22h. C'est chaud. Bon, de toute façon, ça va le faire. Là, c'était ça le plus chiant. Surtout que mon chéri dort. Là, je peux pas lui demander. Parfois, il m'aide. Hein. Il me dit si c'est bien tracé. Il regarde pour moi. Il ajuste s'il faut. Même si c'est moi qui fais tout. Mais vraiment, il m'aide beaucoup. Il m'aide, mais là non. Il est rentré super tard. Il a dormi à 23h minuit. Enfin. Donc là. Même ma tête sec, là. Ça fait bizarre. Allez, hop. Et cette red one, elle est pas bien. Parce que du coup, moi, j'ai une dermatite. Et c'est pas trop cool, en fait, ce gras-là. Tout sur mon cuir chevelu, mais... Faut que ça donne bien en fait. Donc voilà. Faut que ça donne bien. Ah, j'ai mal. J'ai mal aux épaules. Voilà. Bon, je vais checker un dernier coup. Et là, j'ai tout fait. Allez. Moi, je les ai achetés sur AliExpress. C'est des mèches comme ça. Et j'en ai pas assez de ces paquets-là. Pour ça, il va falloir que je les passe en fait au crochet. Et après, avec les autres mèches, en fait, je vais les rajouter autour pour faire mes vanilles. Mon crochet. Thank you.
Là, regardez, je mets la mèche dans le crochet. Je la roule légèrement. Tac. On ferme le crochet et voilà. Bon bah il est tombé, il n'ira pas plus bas. Hop, parce que je veux que mes vanilles soient fournies quand même. Et ensuite, voyez, je vais rajouter la mèche autour. Comme ça, après, je pourrai commencer en 3 et après faire ma vanille. Donc voilà, toute la tête, il n'y a plus qu'à. Pour pas que ça vous arrache les cheveux. Et c'est ce nœud là que vous devez séparer en deux, laisser l'une des sections en fait qui est pliée dans votre main et l'autre, voilà, vous voyez là, j'ai bien passé. Voilà les cheveux, je vais rassembler celles que j'ai déjà faites, voilà. Plus qu'une cinquantaine. Coucou tout le monde, là il est 7h30, je vais faire une toilette. Brosser les dents, bien sûr. Je suis allée à la salle, j'ai mal ici. Là, là. J'ai fait des trucs comme ça, là. La machine, là. Je sais pas comment ça s'appelle. Bon, là, comme je vous avais dit, j'ai pris.
j'ai pris mes mèches parce que j'en avais pas assez. Donc là, on est le lendemain, on est vendredi. Et je vais finir ma tête en fait. Là, ça va être rapide parce que j'ai déjà crocheté en fait ce qui était là en fait. Vous voyez? Et il va me rester que un peu derrière. D'ailleurs, ici au Mans, c'est en tout cas ce que j'ai trouvé, c'était, voyez, 7,99€. 7,99€. Les mèches, elles ont vraiment augmenté. Et nous, les personnes qui travaillons, les personnes qui avons des cheveux, les personnes qui mettons des attachements, des, comme j'aime ce mot attachment en anglais, des mèches, ils se font un beurre sur nous. C'est incroyable. Parce que un paquet, 7,99€, quoi. Mais à 8€. Ouais. On aime changer de tête. Mais je préfère acheter ça qu'acheter des mèches brésiliennes à tout va, en fait. Paquet d'élastique. Je vais essayer comme ça. Si je coupe en deux, ah, ça va être trop court. Oh là 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 là, non, c'est pas ça que je veux. En fait, je veux que ça m'arrive ici. Et je veux faire avec l'élastique, comme vous avez vu. Et après, je coupe. Donc voilà. Je pense qu'avec deux comme ça, ça va le faire. Hein. Bon, alors, je pense que je vais en prendre deux. Là, je passe, vous voyez. J'attrape, je fais en 3. 2, 3, 4, 5, 6. Et là. J'ai dit que je voulais un espèce de carré. Il faut que ce soit joli en fait. Là, là, vous voyez comment c'est devenu mince là. Je sais pas. Sachant que derrière, après, je vais continuer. Hein. C'est pas grave.
seule, qu'une seule vanille. Je vais bien vérifier si j'ai pas des crochets en fait qui restent là-dedans. Mais alors attendez, ça c'est quoi ça? Non, ça aussi c'est beaucoup trop de cheveux qui dépassent. Il m'en reste qu'une. Et ce moment que quand t'as fini, tu sais qu'il t'en reste qu'une seule, c'est que t'as fini, que tu vas se lever maintenant avec ta coiffure. C'est trop bien. Et je suis fière de moi. I'm proud of me. Yes. I can see it's already done. I'm just removing the hair. Yeah. Just like this. So proud, like I'm doing something by myself, so like I'm producing by myself. This is a real talent for every hairstylist, every people that can roll their own hair, making their own hair. Honestly, this is a pure talent, pure talent. Everything you can do by yourself is pure talent, so just do it, girl. Cette méthode avec le crochet, en fait, elle attrape tellement bien les mèches. It's about to go. It's about to go. Down. Put your back. Put your back. Put your back. It's about to go down. Down. Alors, je vais en profiter pour vous parler du problème dont je souffre. Alors, je souffre de démangeaisons, de pellicules, et c'est dû à un champignon, en fait. Donc, la dermatite, ces deux produits-là, en fait, m'ont changé la vie. Il faut savoir que je portais beaucoup plus de perruques et de tissages parce que, du coup, j'avais honte de dévoiler mon cuir chevelu. Après 3-4 jours, même pas avoir fait ma coiffure, même si c'est pas hyper serré, hein. Là j'ai mis des élastiques, je l'ai fait moi-même, je sens que ça tire un peu. Mais je souffre de pellicules et de démangeaisons intenses. Et là, je me suis dit non, faut que je trouve une solution en fait. Faut que je trouve une solution, j'arrive pas à voir de dermatologue parce qu'effectivement, c'est très compliqué d'en voir et tout. Donc je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Je suis allée à la pharmacie, je me suis renseignée et il faut prendre des produits avec la mention DS. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ce produit Uriage
C'est une lotion que vous appliquez en fait dans vos racines. Et ça m'a changé la vie. Il faut le faire quotidiennement avec un petit massage. En 5 minutes, c'est fait. Ou le matin ou le soir. Moi, je préfère le faire le soir. Et même si j'ai des mèches ou une perruque, une à deux fois par semaine, il faut utiliser ce produit-là. Donc, c'est un produit. Celui-là, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, mais il y en a un sur prescription médicale. Et du coup, le cyclopyroxolamine, c'est donc la molécule qui est présente, vous voyez, le 1,5. Et c'est ça, en fait, qui fait que le champignon, en fait, il est combattu. Vos ennemis, c'est tout ce qui est le gel, vous voyez, le gel, surtout le gel, comment ça s'appelle, olive oil, etc. C'est vraiment vos ennemis, il faut le savoir. Il y a beaucoup de gras. Tout ce qui est cire coiffante, oubliez, si vraiment vous voulez vraiment vous débarrasser de ça, il va falloir l'utiliser très très peu. Là, j'ai utilisé parce que effectivement, en me coiffant moi-même, il fallait que ça soit un peu harmonieux et que j'avais pas envie que les petits cheveux dépassent forcément, même si c'est tout à fait naturel et en gros, je suis pas complexée, mais je voulais que ça soit voilà, que ça soit classe, que ça soit propre, surtout que là, je fais une vidéo YouTube, mais utilisez ces deux produits-là et même si vous avez des mèches, faites le shampoing. Vous tenez les mèches comme ça, vous massez dans vos doigts et en fait, et vous massez vraiment sur le cuir chevelu. Vous tenez vos mèches en hauteur et vous faites ça et vous rincez. Donc et après, vous rincez, vous voyez, et en tenant les mèches et en rinçant comme ça, vous allez avoir en fait le produit, le shampoing qui va quand même agir en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire sur tous les cheveux, mais votre cuir chevelu... Pour vous débarrasser de ce champignon, je vous conseille vraiment ça. Moi, en tout cas, ça a marché. J'ai pas pu voir de dermatologue, donc venez pas m'agresser ou quoi que ce soit dans les commentaires. Moi, j'ai utilisé ça. Je l'ai acheté à la pharmacie. Je crois que c'était quoi 7 euros. Je vais vous mettre le prix exact. Mais je crois que je l'ai payé 6 ou 7 euros. Ouh, ça m'a changé la vie avec ce spray de Uriage. Ça m'a changé la vie. Donc, vous voyez... Il y a un embout. Là, en plus, moi, j'ai des... Voilà, il faut vraiment en mettre dans le cuir chevelu. Ça contient un peu d'alcool. Donc, si vraiment vous avez des petits bobos, vous avez des tendances à gratter et que forcément, ça vous fait des micro-lésions ou des lésions tout court à cause des ongles, bah ça risque de vous picoter un peu quand même. Parce que moi, il y a des moments où j'ai des fortes périodes de stress, où je réfléchis, etc. Et je me mets à gratter jusqu'à chercher la dernière petite croûte. Guys, the job is already done. Look at this. Amazing piece. I had to attachment, and this is the end of the video. Thank you so much for being here and watching. You can subscribe and see you later. Regardez cette beauté, franchement, c'est trop bien. Je suis super contente de moi. N'oublie pas de liker, tu peux partager, enregistrer la vidéo. Et moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Profite bien sur ma page. Je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Down, go down, go down.